Et rebonjour. Et on se retrouve donc du coup sur AF1, donc l'acte 2, et on était ici, avec les bambous, avec ça là, avec le siège, le transat. Donc on va voir à peu près où on est. Alors, il a l'air fatigué de t'apporter aussi loin. Allez, bon, dents de cerf, on va l'appeler dents de cerf. Parce que apparemment purée, bon, on va dire purée. Allez, bon purée, meilleur ami. Pensais pas qu'il arriverait à se coller, à pouvoir arriver à monter ce chemin de montagne un peu étroit. Est-ce qu'il va réussir à se débrouiller? Alors, on a des plantes comme ça dans notre jardin. Quoi? J'ai pas vu que vous aviez des bambous. Alors, je vais éviter de... Mon dieu, des bambous. Au secours. C'est mon pire ennemi. Là, c'est vraiment le pire ennemi de tout. De tout, personne qui recorde un truc. Donc, on a des plantes comme ça dans notre jardin. Ah bon? À notre planète... Nos planètes doivent être plus semblables que ce qu'on pense. Mon frère et moi, on... Est-ce que tu peux parler plus rapidement, s'il te plaît? On avait l'habitude de prendre des longues... Bah, les longues stalks, c'est les longues branches, et de d'enlever la fin, quoi. Enfin, d'enlever le bout. Donc on peut l'utiliser comme une sorte de... Ah oui, le téléphone canette avec les fils qui rentrent entre eux, là. Effectivement, ça se passe en 1994 parce qu'on fait plus ça aujourd'hui. J'ai jamais compris comment ça marchait. Donc bon, sauf que bah justement, sauf que bah là, ça marchait quoi. Là, contrairement, là, ça marchait. Alors, je sais pas ce que c'est, un frère ou un téléphone, mais alors par contre, tu les coupes pas quoi. Si tu les coupes pas, il y a plein d'acide dedans. Ouf. Ah oui, d'accord. Alors, ça vous fait le chemin là, ça vous emmène donc des montagnes jusqu'à la station de train qui est un peu pétée. Alors purée vous a ramené ici en montant toute la montagne. On peut pas retourner, on serait éradiqué. Ça, c'est les bambous. Et ça, c'est la rivière. Alors. C'est large. Probablement pas trop large à traverser, quoi. Vous pouvez traverser. Enfin, vous pouvez. Plus traverser. Vous pouvez nager pour traverser. En théorie. Alors, j'ai entendu que tant que tu peux trouver une rivière à suivre... Attendez, c'est quoi ça? Je le vois. C'est quoi cette horreur? Enfin, à mon avis, c'est un Lusus, hein, du vu de la gueule, mais au secours, au secours, c'est quoi ça? C'est le Lusus de qui? Enfin, au vu de du tas, je pense savoir qui c'est, mais... au secours! Putain, il m'a surpris. Alors, tant que tu trouves une rivière, c'est impossible de se perdre. Mais t'as entendu ça où? Ah, c'est l'un de mes conseils, c'est l'un des conseils de mon père préféré. L'un des conseils préférés de mon père, plutôt. En fait, c'est le seul conseil qu'il donne, en fait. Papa, j'ai un problème avec ma division euclidienne à rallonge. Ah, il faut toujours suivre une rivière quand tu es perdu dans la jungle. Mon petit... Jellybug. Mon petit bonbon. Mon petit sucre. Je viens de la voir, elle est pas contente. Papa, qu'est-ce que je dis si j'ai un crush? Si je suis amoureuse d'un garçon. Ah, si le chemin a l'air... L'air...
Enfin, il a l'air pas terrifiant, enfin. C'est pas exactement ça, mais c'est le chemin, il a l'air de faire peur. Sois sûr qu'il y a une rivière à tes côtés. Viens. Non, papa, il s'est passé. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Eh bien, elle suivait pas la rivière, tu sais. Tu vois. Bleh. Eh ben dis donc, ce père papa, ce père papa, il a l'air d'être très sage. Ouais. Mais tu peux pas juste suivre une rivière dans toutes les directions, hein. Si on suivait celle-ci, on pourrait arriver. Reviendrait au café et on se ferait tirer dessus immédiatement. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point. Est-ce que c'est pour ça que mon père n'est jamais à la maison? Il s'est fait tirer dessus. Alors ça c'est une barricade ça, non? Alors je m'attendais pas à voir pour du matériel de pêche ici. Et pourquoi pas? Ils pêchent pas les gens sur Terre? Il y a des gens qui pêchent encore quoi. Et c'est pas... C'est pas exactement le... Un passe-temps habituel, étant donné qu'on a les... Maintenant on a la télé et les supermarchés. Putain. J'aime bien le maintenant. Alternia a l'air beaucoup plus avancée que la Terre, donc je pensais que vous auriez des passe-temps un peu plus cool, quoi. Ah, c'est pas un passe-temps, c'est pour la survie. Même les faibles cerçants comme moi, on a besoin de se suffire nous-mêmes, quoi. Et besoin de se déderner. Savoir comment chasser et pêcher, bah ça nous prépare pour les exploits en dehors de la planète, quoi. Ça fait sens. Et aussi, comme du coup le vieil adage le dit... c'est quoi ça? Alors, vous savez jamais quand l'impératrice... faire une de ces... de ces... croisade de la terreur annuelle contre du coup la terre-mère et faire revenir tous les vaisseaux donc du coup à la planète pour des semaines pendant qu'elle a toute sa flotte qui exécute un bombardement orbital quand même pas mal brutal quoi. Eh, t'as pas raison. J'ai pas raison, la mif. Ah, quoi? Quoi? Comment? Alors, c'est une magnifique pile de déchets. Ouais. Il y a pas mal de trucs là-dedans qui sont super vieux, hein. Bon, s'il y a quelque chose de valeur, putain, mais... J'étais dit, oui, c'est bon, tu vas d'arriver sur une planète extraterrestre, elle veut déjà commencer à piler des trucs. Eh, j'ai vu une histoire sur les news il y a des mois à propos de... de plein de gens qui deviennent riches en vendant des vieux comic books. C'est Pawn Stars. Parce que... Alors, étant donné que les gens jettent leurs comics après les avoir lus, il y a seulement quelques premiers exemplaires qui... Il n'y a plus que quelques premiers exemplaires qui restent dans le monde. Donc si tu peux trouver quelque chose comme ça, t'aurais pas besoin de t'inquiéter des drones, quoi. Allez, on va voir, mais attends, oh. C'est parce que t'es pas joué, y a absolument rien qui a de la valeur dedans. Le T3 dit que tous les biens sur Alternia sont des...
sur de la merde produite en masse qui se dégrade au cours du temps, quoi. Il explique que c'est une tactique de l'impératrice pour nous empêcher de reconstruire une économie alternienne indépendante après que la bulle de Fee du Spawn s'est... c'est un peu crashé il y a 300 ans. Et Fee du Spawn, ça sort de Homestuck. Enfin, c'est censé se passer avant, non? Oula! Tout ce qui est dans ce tas a été conçu pour être pour se casser facilement et bah du coup avoir une vie d'utilisation pas très ouf, quoi. Un peu comme moi. Alors wow là, c'est wow, ça c'est sûr que c'est gros insecte qui se tire là, quoi. Et bien nulle part. J'ai un accès géant. Est-ce qu'il y a personne d'autre qui voit cet insecte géant? Quoi? Petit pouc. Pouc. Bon, allez. Alors. Yo, hello? Allo? Non, on va pas refaire la blague, c'est... Tu as les photos sur le Facebook? Y'a quelqu'un? Ouais, plutôt, c'est plutôt. Y'a quelqu'un? Pas de réponse. Pas de réponse. Que c'est abandonné. Ouais, définitivement, je sais qui c'est. Hein. Fallait jouer au Friend Team. Je veux jouer à l'esprit des Friend Team. Y'a quelqu'un? Non, ouais, non, je sors. Bonjour? Y'a quelqu'un? Is anyone there? Bon, on est définitivement chez la personne à laquelle je pense, vu qu'il y a son thème. Alors, apparemment non, hein. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Zephros? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, c'est juste que... Juste quoi? Même avec la capuche, j'arrive pas de flipper au fait que, t'as pas de cornes, quoi. Joey, on peut pas rentrer dans le truc comme ça. Tout le monde va savoir. Ok, alors panique pas. Pourquoi est-ce qu'on jetterait pas un regard aux alentours? Peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose. Dans le nid, quelqu'un d'autre? Je sais pas, ça pourrait mal finir pour nous. T'as raison. Voler, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal impoli. Mais c'est une urgence. Et si on laissait quelque chose en échange? Je suppose que ça irait. tant qu'on fait ça d'une façon où ils pourront jamais savoir c'est nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que je me demande combien d'argent que j'ai. Attends. Ah oui, non, j'ai pas d'argent, évidemment, je suis sur une autre planète. J'aime pas ce que vous utilisez comme monnaie. Ouais, là, mais sur Internet, l'argent, ça veut pas dire grand chose, mais les objets avec une valeur personnelle sont quand même. Ils ont beaucoup de valeur. Comme les mémorandums. Ouais, un peu, quoi. Alors, on va voir ce que j'ai sur moi. Alors, j'ai une bille à batte. Non, en fait, non, j'ai peut-être besoin de ça, quoi. Une batte? Est-ce que on doit jouer à des sports, hein? Alors, seulement si on est malchanceux. Alors, il y a le micro que des mecs m'a donné. Non, c'est sûrement crucial pour des événements futurs. Ah là là. Cette cuir que je plie pourrait marcher. Pourquoi est-ce que tu portes... Pourquoi t'as surtout une cuillère qui peut plier, quoi?
Ça me met en confiance, je suppose. Xephros. S'il te plaît, n'associe pas ta propre valeur au fait que tu peux plier une cuillère. Enfin, ensemble, je vais quand même laisser ça juste ici, voilà. Mais non, on a trouvé un meilleur déguisement. Alors... Il y a plein de merde ici pour construire une rapide mobile. C'est quoi une rapide mobile? Alors, c'est un véhicule primitif, donc à 4 roues, qui a été exporté de l'une des colonies de l'impératrice il y a des milliers d'années. Donc une rapide mobile que ne peut être seulement utilisée sur un endroit plat. Donc pour donc du coup bah ça a jamais été vraiment très utile, étant donné que c'est plus facile de conduire un Lysus ou à prendre le train quoi. Mais quelques trolls les font pour parce que c'est drôle, pour le fun, parce que c'est une bonne c'est un bon endroit pour conclure avec ton moitié esprit. Alors pour faire quoi avec quoi? Quoi? C'est bon, on s'en fout. On va dire, on va changer de sujet à quelque chose d'autre, hein. D'accord. Hey, regarde ce bâton cool. Ah, c'est sûr qu'il est cool ce bâton, hein. Ah, je te l'ai dit. Oh merde. Ouais, je sais ce que ça veut dire. Bizarre stock, c'est important. On pouvait pas trouver de costume de troll dans cette merde. Il y a l'air d'avoir rien ici. Alors, je suppose que, étant donné que, on cherche pour quelque chose d'absolument pas défini et au hasard, ça serait le bon endroit pour le trouver, hein. C'est plutôt bizarre, ça a aucune importance à notre voyage, tout coup, j'ai pas trop compris, mais en gros, c'est pas trop important, quoi. Mais bien sûr, y a rien ici. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette horreur, hein? Oh mon dieu, Alors, la perspective ici doit être un artiste. Je me demande ce que ça veut dire, putain. Pourtant ça dérange pas, hein. Non. Évidemment, l'art n'a pas de limite. On peut... C'est tout à fait normal si tu vois qu'il y a ce genre de truc. Heureusement, ils sont pas là pour nous le dire, quoi. Quoi, voilà quoi. Allez, on a entendu dire que le but de l'art, comme ça, c'était de l'interpréter nous-mêmes. Et tu penses que ça veut dire quoi? Pas trop de savoir, hein. Aucune idée. Je suppose que ça pourrait représenter trouver du bonheur dans l'aléatoire de la vie. Ouais, ça a l'air sympa. Mais et si ça veut dire l'exact contraire, le plus proche qu'une basse classe comme moi arrive au jour de, donc du coup au jour de l'ascension, enfin l'ascension c'est genre du moment où j'arrive à l'âge adulte, le plus il fantasme à propos de l'aléatoire. C'est pour une expression de l'envie de l'artiste de se libérer des contraintes du système de caste. Bien sûr, tout troll attrapé à faire de l'art comme ça serait éradiqué sans sommation, quoi. Pour pour rébellion. Il
ils arriveraient pas à prétendre qu'ils étaient loyalement résignés à une vie brutale de servitude, et ça serait leur dernier acte défiant, quoi, de liberté. Oh. Ça serait quand même super triste si c'était vrai, non? Mais ça serait super de vouloir, enfin de vouloir suivre quelque chose que tu crois au lieu de vivre une vie longue et sans but. Savoir que tu avais un choix entre la sécurité et le courage et que tu choisis le choix pas très confortable, pas forcément confortable. Et tu choisirais quoi, toi, Joey? Je pense pas avoir eu l'idée de penser à ça, en fait, avant. Oh, des fois, désolé, des fois, je pars sans penser. Ah, je vais avoir l'air plutôt idiot, quand même, à radoter comme ça. Non, c'est faux, ça, c'est pas une question d'idiot du tout, moi. Ah bah oui, moi je suis d'accord, hein. Mais... Même si on n'a jamais vraiment besoin de penser à propos des sujets difficiles, ah, c'est vraiment une bonne chose à faire, quoi. D'une autre manière, on se rendrait même pas compte qu'on peut choisir, quoi. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Est-ce que c'est de la sécurité ou du courage? Ouais, ça commence à me faire mal à la tête. Moi aussi. Je sais même pas ce que ça veut dire d'être courageuse. Bien, je pense que c'est quand t'es un certain comme moi et la plupart de tes choix sont pas vraiment des choix. Sûrement la seule option possible dans tout cas donné, quoi. Donc pour être courageux et laisser un héritage, tu as besoin de faire un choix difficile. Qu'est-ce qu'un choix difficile? Comment tu reconnais un vrai choix quand t'en vois un? Ah, je suppose que ça serait un choix qui n'était pas évident à la base. Comme... comme mourir dans un éclat de gloire et violent pour... pour le droit de faire de l'art moche. Peut-être que c'est juste un monstre avec plein de pieds. Ouais, c'est vraiment ça. Putain de merde. Ah merde! Ah oui, non, merde, il y a du texte. Ouais, c'est pas mal. Merde, j'ai oublié de. Non, c'est pas grave. Alors. C'est tellement réaliste, hein. C'est une statue ou la taxidermie? Taxidermie? Comment j'explique ça? C'est compliqué? Non, c'est pas ça, c'est juste que j'aime pas ça du tout. C'est quand tu tues un animal et tu prends tout ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, tu retires tout ce qu'il y a à l'intérieur et tu mets du tissu, enfin plutôt du coton, enfin bref, tu mets quelque chose dedans pour remplir le corps, quoi. Et après tu le mets dans ta maison comme de manière absolument dégueulasse, enfin pour montrer ta dominance sur la nature. Oh. Mais taxidéméritation. Ah, tu veux dire qu'on a taxidéméritation. Le taxi des mérites. Taxa déméritation. Taxi des méritations. C'est quand un soldat impérial était tellement de démérites qui lâche son droit à la dignité dans la mort. Après qu'ils aient été exécutés, l'impératrice. Alors, Chitine, donc du coup, qui est remplie, et elle est mise dans sa salle des trophées personnels. Tu vois, ça pourrait toujours être pire, si tu me le dis. Ça reviendrait pas pour la même vie pour vous mordre!
Alors attends, y'a quoi là? On peut pas cliquer. C'est Xephros. Ah merde! Putain, je suis con. Je peux pas le prendre. Alors, où est-ce qu'on devrait aller? Mais je sais pas où on est! D'accord, merci, merci Xephros. C'est toujours, c'est certainement pas sec. Faites pas beaucoup de peinture, hein. Pas de puits, c'est les aquarelles que tu fousilles donc à l'école primaire. Votre mère avait l'habitude de les mettre dans le frigo. On n'avait aucune idée d'où ils sont passés. Bah moi non plus. Mais en attendant... Un vernacle, c'est-il loin de l'océan? Vernacle. Ouais, ces choses, bah, ils ont un esprit. Hein. Enfin, essayer de pas toucher. Quoi, c'est empoisonné? Super empoisonné! Tu cracherais du sang des pores de ta chitine jusqu'à ce que tu meurs si tu le touches. Ok, d'accord, j'ai pas envie de ce que ça fait aux gens sans chitine. Ça fait aux gens sans chitine. Est-ce que tout sur cette planète est empoisonné? Est-ce que tu es empoisonné? Bonne question. Ils viennent se lécher. Slurp. Apparemment non. Non mais j'ai aux humains. Oh. Est-ce que tu... Oh non, dégueulasse. Tu veux essayer? Tiens. Oh non. Mais non. Allez, je lâche mon bras. C'est dégueulasse. Non. Non, oui, non, mais moi aussi j'ai pas envie qu'il se passe ça. Putain, non, il va. Bon, bah, c'est sur les cauchemars que je vais avoir. De ce que je vais trouver sur internet. Je vous laisse. Pour deuxième épisode. J'espère que vous avez aussi allé avoir des cauchemars. Et je vous dis. Salut!